Salut à tous, c'est JustSoir, puisqu'aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 2. Alors, ça va être une vidéo présentation des 6 nouveaux camouflages qui sont sortis le 23 juillet sur Xbox. Alors, ces camouflages, les noms en français sont donc Aqua, Fissure, Coyote, Glamour, Sacré Punch et Bandit. Donc, je vous avais fait une vidéo de présentation des noms en anglais, bah maintenant c'est en français. Donc, dans cette vidéo, je vais d'abord vous montrer, on va dire, la partie théorique, en gros. Ça va être tout simplement, je vais juste vous montrer à peu près le skin, et ensuite de quelques armes, et ensuite je vais vous montrer des extraits de gameplay sur Cove. Ça m'a paru assez adapté vu que c'est une map de vengeance. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle arme, je vous ai mis le nom de l'arme avec le nom du camouflage en haut, avec j'ai essayé de respecter à peu près la couleur principale du camouflage. Ça me paraissait être une idée assez originale, et donc j'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc je vais pas non plus vous parler des camouflages pendant les 4 minutes, parce que ce serait pas non plus intéressant de dire à chaque fois ouais celui-là je l'aime bien, parce que voilà. Je vais juste quand même vous parler des camouflages parce que c'est quand même le sujet de la vidéo. Mais je vais également vous parler de la mise à jour qui a été faite. Donc voilà. Donc tout d'abord mes camouflages préférés sont donc Bandit et Pack-a-Punch. Donc j'ai d'abord acheté Bandit. Et puis après, d'ailleurs cette vidéo, je les ai faites en partie privée. Grâce à ce que je n'ai pas téléchargé tous les camouflages, donc c'est un ami qui lui les a téléchargés, qui a eu la gentillesse de me les passer, donc merci à toi Storm. Et donc voilà. Donc pour l'instant j'ai acheté que Bandit, donc c'est pour ça que vous aurez quand même pas mal d'armes de Bandit. Mais donc j'ai vu j'ai vu Sacré Punch et franchement il m'a paru super beau, donc je pense que je vais l'acheter. Mais bref, donc voilà, donc personnellement mes préférés sont donc Bandit et Sacré Punch. Bandit parce que ma couleur préférée c'est le rouge, et Sacré Punch parce que les motifs sont assez beaux et tout, et ça fait j'aime bien la couleur tout simplement. Donc maintenant on va passer à la mise à jour. Donc cette mise à jour qui a fait beaucoup parler d'elle, surtout en France en ce moment. Tout simplement, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a eu un patch donc sur l'AN94, le DSR et le Ballista. Donc sur l'AN94, les dommages n'ont pas été réduits, contrairement à ce que la majorité des gens pensent. Mais en fait, c'est la portée qui a été légèrement réduite, la portée des 3 tirs pour tuer un ennemi. Donc elle a été réduite de 15%. Cependant, la portée des 4 tirs pour tuer, elle n'a pas été changée. Donc franchement, ça va presque rien vous changer, hein. Donc pas la peine de toute façon, l'AN94 étant une très bonne arme, ça va pas changer grand chose. En revanche, pour le DSR et le Ballista, c'est assez aberrant. 20% de réduction de cadence de tir pour les deux armes. Donc pareil, certains pensent que le Ballista n'a pas été patché, mais c'est le cas. Donc 20% de réduction de tir. Et attention, il y a aussi eu un patch sur le quickscoping. Donc la visée est plus lente après un sprint. Donc ça va rendre le quickscope plus lent et plus difficile. Donc voilà, donc ça c'est aussi assez embêtant, mais ça peut être quand même un peu plus compétitif pour quickscoper. Donc également, si vous avez installé la mise à jour, vous avez pu remarquer que BO2 et votre Xbox freeze des fois. En fait, faut juste attendre quelques minutes et après ça marche. Donc personnellement, ça me le fait quand je passe du menu zombie au menu multijoueur par exemple. Donc voilà, je vous ai mis donc à chaque fois le nom des camouflages. Et j'espère que tous ces camouflages vous plairont, et que ma vidéo également, avec toutes ces petites infos. Donc en tout cas, j'envoie cette vidéo à 3 chaînes communautaires, à savoir Code CF, Le Bon Plan du Geek et La Play Geek TV. Donc merci à eux aussi, me clone. Et voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous fera découvrir ces camouflages et que ça vous donnera envie de l'acheter ou le contraire. Et puis voilà, donc en tout cas, voilà, c'était tout. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. C'était déjà ça.